suis ma place pour vous dire, dans le tuteur intermédiaire, on m'a mis carrément de côté. Quand on a mis, c'est nous qui avons organisé la 8e coupe. C'est nous qui avons organisé la 8e coupe. Je suis pété en prison. Je pensais qu'aujourd'hui, nous qui sommes les survivants de cette 8e coupe, qu'on aurait dû nous appeler pour que nous apportions notre moindre conseil. Non, on nous a éliminés, on nous a mis de côté. Comment voulez-vous que de dehors, je puisse vous donner de trouver des solutions? Je suis Camerounais, mon souhait qu'on aille de l'avant. Tout ce que je peux vous dire honnêtement. Si j'avais été dans le coup d'organisation, je verrais ce qu'il y a. C'est pas aujourd'hui, il y a un mois de chan, que je peux faire des miracles, faire des propositions miracles. Peut-être la Cagne. C'est en janvier prochain. Peut-être si j'avais été impliqué, je verrais ce qu'on a déjà fait, apporter ma contribution. Ne me dis pas, je ne dirais pas c'est la lumière. Non, il ne faut pas croire que ce que je dirais soit la vérité. Mais c'est peut-être c'est la conjugaison des contradictions qui apporte de la lumière. Vous comprenez? Donc, tout ce que je peux vous dire en tant qu'Amonais, mon souhait par tous les moyens, qu'on essaye par tous les moyens, qu'on soit pour ou contre. Pour ou contre. Il faut qu'on fasse tout pour gagner. Ça fait que depuis 112, on n'a jamais organisé une coupe africaine. Merci beaucoup à Yatou. Et ça, Yatou, qui aujourd'hui a quand même amené le président Paul Biya à cette organisation. Hein, mon souhait, pour vous dire la vérité, hein, c'est qu'on fasse tout pour aller plus loin. Pourquoi pas gagner, hein, pourquoi pas gagner, pourquoi pas. C'est le souhait que j'aimais. Et que si on m'appelle encore pour ma contribution, peut-être que je peux vous apporter quoi, je ne sais pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Maintenant, Camerounais, mettez-vous en tête que tout Camerounais, pour ou contre le président, pour ou contre tel entraîneur, pour ou contre le ministre, mais il doit soutenir le Lion, inévitable. Oui, ça, sans être dedans, et sans avoir de preuves concrètes, mais quand même, et il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a toutes les sommes qu'on a débloquées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi qui voyage beaucoup, et moi qui ai beaucoup d'amis dans le domaine sportif africain, et moi qui connais le cours de tel stade qui ont été construits en Afrique, et vraiment, on a volé, il y a eu trop de vols. Il y a trop de vols. Vous comprenez, il y a trop de vols. Parce qu'on ne peut pas dire, avec le montant qu'on nous annonce, qu'on soit à ce niveau-là aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit un jour pour ce journal, Ona Joseph, quand nous rentrons de Brésil, que si c'était autant de présidents idiots, avec les fiascos que nous avons eu au Brésil, tout le monde ira d'abord en contingui avant de sortir un à un. Bon, on a un président qui est très gentil, mais jusqu'à quand? On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'avec tant de millions de Camerounais, des impôts camerounais et la misère, et qu'on soit humilié, pas de retard et de retard, on nous en donne des milliards. Et il faudrait quand même, je m'excuse de le dire, il faudrait quand même qu'on cherche la vérité et que la vérité éclate. Que la vérité éclate. Et que le Camerounais, si le premier tape la mise à table, et qu'on sache où est parti l'argent. Parce qu'on a beau dire, avec l'argent qu'on annonce, non. Non et non. Il y a un problème. Moi, je n'étais pas déshonnête, je ne sais même pas qui était dedans. Mais j'ai dit, moi, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, en collège des anciens dirigeants sportifs, les généraux Asselet, tout ça, là, ils ont organisé aussi la Coupe d'Afrique, et de la montagne aussi aujourd'hui. Hein? Donc, qui me disent combien, parfois quand on discute chez eux, ils me disent combien
le coût de construire de leur stade. Mais quand j'apprends ce qu'on, chez nous, on a dépensé, et que je vois le niveau de stade actuel, il faudrait quand même que le président soit moins patient, soit moins tolérant. Et je sais que beaucoup de Camerounais font de nous reproches. Je peux le dire, hein, ça fait la politique, hein, que moi-même je lui reproche. On ne peut pas dire qu'on a dépensé 50 millions, hein, je ne peux pas dire 50 milliards pour une œuvre, et que nous savons qu'ailleurs on a dépensé 20 milliards. On ne peut pas me dire que moi, vous qui, nous les sportifs, moi, Pelingazab, moi, l'empereur, qui est souffert, ça fait monsieur depuis de 68 à 82, monsieur, ça fait 52 ans. Hein, je ne vois pas des dirigeants, non pas des sportifs. Le secrétaire général, au plan de conseil supérieur de SACH, l'Union sportive des Douala en permanence, ça fait quand même, mon ami, 52 ans. Hein, et quand même, et donc il suit régulièrement les évolutions du football camerounais et des clubs. Mais on ne peut pas dire ça. Donc, en conclusion, il faut qu'on cherche. Et oui, je sais. Je ne peux pas dégager la presse, non.